That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Là. Ok, cool. Attendez, on va courir. Ok, ça va. Encore moins 12, ça va. On pourrait faire cette partie-là. J'ai mal fait. Enfin, j'ai mal fait, je suis pas allé de ce côté en fait. J'ai directement tracé vers les maisons. Donc à la limite on peut faire ça. Et après on rentre. Ah, y a un... ah ils sont là, deux loups. Ok. Cool. Y a quoi de ce côté du coup? Y a rien. Peut-être ça va être bien avec notre pantalon. Hein, parce que là il fait moins 12. Je crois que notre jean il fait même pas 1 degré. Ouais, il fait même pas 1 degré. Donc le pantalon en peau de cerf là, ça va être plus de 2 degrés, je crois. Ouais, très bien. Peut-être ça continue ce passage en fait, non? Je vais voir. Ah oui, non, oui, je crois que ça me dit quelque chose, c'est pire comme ça, là. Cet embranchement, là. Et on va refaire un dessin. Ouais, alors, c'est combien, moins 13? C'est ce qu'on a fait. Et là, on retombe sur la maison. Ouais, 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 c'est bon. Ok. Ça va, on pourra passer par là. On va aller crafter le temps qui nous reste. Et après, on dort. Et là on est derrière la maison. Juste au cas où. Bon, au final les loups ils sont partis loin hein. Putain, je viens de voir la... je viens de voir l'hypothermie. Elle est peut-être un peu abusée. J'ai peut-être un peu tiré trop sur la corde. 46%. Non, ça va. Moins de 50. Par contre, ça s'abîme un peu avec l'humidité, je crois. 62. C'est bon. 67. Ça va, on va pouvoir les réparer, mais bon. Faire attention quand même, hein. Voilà. Attendez, on va faire ça. Et on va essayer de le finir maintenant. Voir un peu. Ouais, avec de la chance, on le finit. Avec de la chance, on le finit avant que... peut-être, peut-être. Non. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Une aurore boréale ou quoi?
Pourquoi il y a ces grosses lumières? Yeah! Ça, si on le détruit, c'est du tissu. Je vois pas trop pourquoi il y a des grosses lumières. Ah, voilà. Ah, les lumières, les guirlandes, elles s'allument pas. Oh, putain, ça fout les boules. Je vais voir un peu à l'extérieur comment ça fait. J'ai jamais vu ici avec une aurore boréale. Faut suivre les lampes en fait. Ça va, c'est sympa. C'est pas mal ça, ces projecteurs là. Pas mal, ça éclaire loin. C'est énorme. Vraiment cool. Et là, on peut suivre les... On peut suivre ça, là. Et y a des lampes à chaque fois. Ok. Bon, on a fini notre deuxième pantalon, donc on est tranquille, c'est bien. Putain, je suis content quand même d'être venu ici, parce que sinon, là, j'en sais, j'y serai encore. Hein. Je serai encore là-haut, quoi. Bon, par contre, le pantalon, il pèse quand même 2 kilos. Hein. Enfin, je crois que c'est 4, normalement. Et là, vu qu'on porte, c'est 2. 83%, 86, 75, 80, c'est bien. 76, 89, c'est bien. Ouais, il n'y a que les bottes qu'on pourrait reconstruire, réparer, et les moufles, je pense, voilà, il n'y a que ça. On pèse un peu plus lourd du coup. C'est pas grave. Je lirai bien, franchement, pour finir. Enfin non, il reste encore 2 heures, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Pour aller pêcher. Enfin, de toute façon, moi, je vais m'arrêter là un peu. Je vais faire une petite pause. Et je vais débattre sur quoi faire, en fait. Je vais débattre sur quoi faire. L'ordi, il est pas allumé. Ah, ça aurait été bien, ça. C'est pas une radio, quelque part? Ah si, il y a la radio en dessous, là. On va allumer la radio, et après on va dormir. Ouais. Bon, ça fait de la musique. Ouais, je vais débattre de quoi faire. Sur quoi faire. Alors, petit récapitulatif avant qu'on dorme. Bon, là, on a tout fait. Donc, on a tout trouvé. On a tout cherché, les cabanes, tout ça. Donc, ça, c'est le lac, il est fait. Hein. Il est plus ou moins fait. Après, on peut peut-être aller un peu plus sur les bords. Mais je pense pas que ça soit vraiment intéressant. On est allé là aussi, la cabane du trappeur. On a fait ça avec le déraillement ici. Il nous faudrait du métal, comme j'ai dit.
Donc, ou on retourne là pour récupérer le métal qu'on a mis de côté, ou alors au barrage et on va scier des trucs, genre pendant une journée. Pendant une journée, on fait ça, puis on dort ici, puis après on revient à notre base. On peut faire ça, c'est une possibilité, parce qu'on a, on a des ressources pour. Peut-être que là, on trouvera des habitations avec du métal. Parce qu'en fait, je voudrais pas vraiment retourner là-haut, quoi. C'est un peu inutile, en fait. C'est ça, le problème. Enfin, c'est inutile, façon de parler. Puis après, quand on voudra faire les têtes de flèches, il va falloir prendre le rail, le suivre. Et après, on ira à Muskeg Morn, parce que là on est là, la commissaire, vous voyez la forme que ça, donc il faut prendre les rails. Et la forge, je crois qu'elle est en bas, elle est ici la forge. Donc faudra suivre les rails, puis après on descend, hop, on descend et ça sera la forge. Je pense qu'on fera ça. Pour faire les têtes de flèche au moins. En deux fois on le fera, je pense. Tête de flèche, puis après... puis après des outils en plus et on reviendra. Je pense. On verra ça. Man, all I can think about is food. Food. On était en train de faire quoi? Ça se passe tellement bien que j'ai même plus en tête en fait ce qu'on est en train de faire. J'avoue que ça se passe tellement super bien. Ça c'était mon coude. Que je sais plus trop ce qu'on doit faire. Oui. God. Eat soon. Tu peux la mettre en veilleux, j'essaye de réfléchir. Ce qu'on va faire, on va faire une petite aventure. On va se créer une petite aventure parce que sinon on va se faire chier. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller récupérer du métal. Alors je sais qu'on en a là. Ah, par contre, je vais le sortir parce que sinon, de toute façon, logiquement, on doit en avoir beaucoup. Et beaucoup. On va le mettre dans le coin comme ça, là, là, là. Du métal. Voilà. On le mettra dans le coin là. Alors, ce que je voudrais faire. Il fait beau. Ce que je voudrais faire, c'est. Alors, on a cette partie de map à... Ouais, on va faire cette partie de map en premier. Mais en tout cas, je crois que plus tard, enfin, peut-être pas maintenant, si voilà, on va partir à l'aventure pour le moment. Ça, s'il fait beau, on part à l'aventure. Mais ce que je voudrais faire, c'est retourner vers le barrage ou alors les mobilhomes pour aller récupérer le métal. Comme ça... toc, toc. Pour aller récupérer de la ferraille. Et après on va tout simplement on va aller crafter nos pointes de flèche. Parce que j'aimerais bien faire ça. Moins 23 c'est pas top quand même. Par contre je vais juste prendre ça. Tac tac. Voilà. Moins 23, c'est pas le... Hein? Mais bon. Man, I'm not sure I can carry much more. Ça va, t'as pas... Ah si, ah, si quand même. Hein? Ouais. Ça, ça va. On va se débrouiller avec ça. Allez, on y va. On va passer là-bas. Ouais. Donc oui, c'est vrai que notre petite aventure là qu'on va devoir faire, c'est... On va aller tout droit là comme ça. On va voir un peu ce qu'il y a. Ce que je voudrais faire, moi, c'est... c'est récupérer du métal, parce que bon, là, il n'y a rien. Franchement, il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc, on va devoir retourner vers le barrage, ou comme j'ai dit, les mobilhomes. Les mobilhomes, je crois bien qu'il y a
Il y a pas mal d'étagères, des trucs comme ça. Donc je pense passer quelques jours là-bas, genre deux jours, trois grand maximum. Pour couper le plus de... Enfin, récupérer le plus de métal possible, quoi. Je voudrais bien faire une dizaine ou une quinzaine, voire une vingtaine de têtes de flèches à la forge. Alors après, je sais pas trop comment on va se débrouiller pour la forge. Je sais pas trop comment... Putain, il fait encore plus... Oh la vache. Ah, mais là c'est relou par contre. Lapin. On va le laisser en vie. Fait moins 21. Ouais, par contre c'est un peu chiant là. Je crois qu'on peut même pas dessiner. Je regarde un peu la température en fait. Bon, on va continuer. Si on perd trop de vie, on va manger pour ralentir la perte. On va essayer de faire ligne droite. Comme ça, bah, s'il y a toujours du brouillard après 50 heures, on fera juste demi-tour et on sera sur la bonne voie. Parce que là, c'est vrai que je vois rien, je reconnais rien. Donc s'il faut, il y a des maisons, mais on les voit pas. Ouais. Et à 18. Oh, dire qu'on pourrait tout dessiner. C'est bien d'écouter le bruit des pas dans la neige? Ça vous détend ou pas? Est-ce que ça fait quelque chose pour vous? Parce que moi j'avoue pas grand chose. Parce que je vois rien, c'est chiant. Bon, bon bah demi-tour. Ah, ça m'embête là. Ça monte sévère là-haut. Ça va, Torres, elle a appris à lever les... Ou pas. J'allais dire, elle a appris à lever les jambes, mais non, elle a pas appris à lever les jambes. Bon, ben... Bon bah je crois qu'on va faire un retour au camp. Poser tout notre bordel en fait. Genre le bois qu'on a récupéré et tout ça. On va sûrement lire une heure.
Et on va aller chercher du métal parce qu'au moins on connaît le... Au moins on connaît le chemin, vous voyez ce que je veux dire? Par contre j'ai un peu peur, oh la vache... On est bon. Oh, putain, qu'est-ce qui m'a fait peur, cette conne à gueuler comme ça, entorse au poignet. Comment tu peux te faire une entorse au poignet, s'il te plaît? Parce qu'elle a failli tomber, tomber sur les mains, peut-être. Bon, on est de retour là. Ce qu'il faudrait qu'on puisse... ouais, ça doit être là-bas. Ce qu'il faudrait qu'on puisse faire dans ce jeu, c'est des totems. Des sortes de totems, en fait. Genre faire des panneaux ou des trucs comme ça. Je pense que c'est là, parce que ça va à gauche, la ligne. Bon, je suspecte que notre maison est de ce côté. Oui, on a le feu de camp. Vous vous rappelez, il y avait un pylône juste à côté. Bon, bah voilà. C'est bien. Petite jour... Enfin, quoi, on a gaspillé quoi, une heure, deux heures pour rien. C'est bien. C'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, vous êtes tordu le poignet. On peut plus tenir... Ah oui, on peut plus tenir d'armes aussi. Ah ouais, ça c'est chiant ça. Parce que honnêtement, j'ai pas envie d'utiliser. j'ai pas envie d'utiliser les trucs de soins, quoi. J'en ai peu. Enfin, j'en ai peu d'avance. Mais qu'un seul d'avance. J'en ai pas laissé quelque part. Ça m'étonnerait que j'en ai. Ah, tiens. Les seuls trucs que j'ai pas fait. En fait. Ah, huh. Ok. Ok. Ok, ok. Vous n'êtes pas assez en bonne santé pour vous concentrer sur... Sérieux. Ça c'est bullshit, ça. Ça, c'est un peu bullshit quand même, non? Dans le jargon, on appelle ça bullshit. Je sais pas pourquoi je les mange. Parce que quand je suis énervé, je mange. Voilà. On va dormir une heure. Comme ça, on pourra sprinter. On va voir. Ouais, j'ai vraiment pas envie. on se soignera quand on sera à l'autre camp, le camp d'en haut. Bon, j'ai ma scie. Ouais, j'ai ma scie. Il y a des caisses en haut, on pourra la réparer, la scie, si besoin. On a ça. On va encore... On a quoi en eau? On a 5 litres sur nous. On va prendre encore un steak et on avance. Et on remonte, tout simplement. Voilà. Alors le problème... Il n'y a pas de plume. Alors le problème c'est que bon, s'il y a un... Il y a un loup, bon bah... Ça va être casse-couille. Le roi des flèches, ça va pas marcher quoi. On va pas pouvoir jouer Robin des Bois. C'est bizarre qu'elle s'est tordue le poignet, je trouve ça étrange, moi. Tessa, il fait moins 14, c'est terrible. C'est super.
Bon, vu qu'on n'a pas de visibilité, faut vraiment bien écouter par contre. Hein. Donc désolé si je fais des blancs des fois. Ah oui, on a cette viande aussi. Ah, 0%, ok. C'est vrai qu'on... on l'a laissé plus d'un moment en dehors comme ça. Alors là, faut faire attention parce qu'il y en a un de loup, normalement. Enfin, dernière fois, il y en avait un, en tout cas. Pas l'air d'être là. Chut, arrête! J'entends des bruits. M'énerve à faire ça quand il faut pas. On fait le chemin, on n'est même pas fatigué. Là, on est... oh, là, ça aurait été top, en fait, de se balader pour aller de l'autre côté de la map, hein, pour pouvoir dessiner tout ça. Là, ça aurait été mais le top, top du top, parce qu'il fait pas froid. Vous avez vu un peu? Il fait pas froid du tout. Mais du coup, ben, ouais, on peut pas, quoi. Parce qu'à cause du brouillard, donc c'est chiant. Le lapin, on s'en fout. Ouais, on a deux camps, c'est plutôt cool, plutôt sympa. Je sais pas si on va pouvoir utiliser la scie, par contre. Je dirais que non, parce qu'on a le... C'est ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment essayé. Mais c'est vrai que oui, normalement non, parce qu'elle a le poignet abîmé. Donc c'est ce qu'on va faire, on va boire une tisane là-bas, parce que je sais que j'en ai laissé. Et on va dormir, je crois. Avec de la chance, ça sera soigné. Ah mais après elle va être... elle va être éveillée la nuit, oh putain. Vraiment pas la joie. Hein. Ça se passe mal. Enfin, ça se passe mal. On va dire que c'est pas le top. Est-ce qu'il est toujours là, mon igloo? Je crois qu'il est détruit là. Ah non, ah si, 9% presque, hein. Mais il est toujours là. Yeah, on est de retour. Alors du rouge. Oh, est-ce qu'on le boit ou pas? Est-ce qu'on a besoin de le boire vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas du gâchis? Est-ce que c'est pas du gâchis? On a de la ferraille. On va aller voir dans l'autre mobilhome. Est-ce que les champignons sont réapparus? Non. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur, j'entendais marcher, hein, mais j'étais pas sûr si c'était un lapin ou un truc comme ça.
Donc étrangement... Étrangement, tu peux pas lire parce que t'as mal. Mais tu peux scier. D'accord. C'est pas très très logique, mais ouais. C'est pas... Hein ? La logique, elle est pas trop là, quoi. Mais d'accord, ça me va. Ah, un truc que j'aurais dû faire, c'est laisser la bouffe à l'extérieur. So hungry. Cours. Wouhou. Alors, fais voir un peu, t'as encore ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, 15 minutes. Parce qu'elle est pas ultra fatiguée. Faut vraiment que j'en cuise des trucs comme ça. Hein. Faut vraiment que j'en fasse. Hein. Des thés, là. D'avance. Voilà. Qu'on aille pêcher aussi un jour ou l'autre, parce que là c'est vrai qu'on pêche jamais. Alors on peut pas lire, on peut pas crafter, on peut pas faire ça. On va manger et dormir. Voilà. Et voilà. Entorse au poignet, rig guérison. Ah, risque du mal de l'enfermement, tu vois. Ça faisait longtemps. Alors, il fait encore nuit. Il fait quelle heure exactement? On peut encore attendre un tout petit peu. On en a 16. Ça en fait 2, on est d'accord. Hein. Je vais voir un peu. Enfin, ça en fait 2. Ça en fait 2. À la maison, on a combien? 5, 6. Je crois qu'on a 6 bâtons. 6 bâtons, ça fait 3 flèches. Ça fait 18, donc. 18 flèches. Sur moi, j'en ai combien? Parce que j'en ai... C'est ça le problème. Ça fait 18. Alors, 18, 18... Fût de flèche 4. J'en ai que 4, hein, on est d'accord. Ok. Donc ça fait 22. Donc il faut au moins 11 bouts de fer. Et 11 bouts, ça fait beaucoup d'heures. Parce que je crois que c'est 1h30. Je pense. Ça le dit pas, là? Ils disent pas. On en a 16, bon ça va. Hein. Ça va. On va en prendre un tout petit peu plus. Ouais. On a combien sur nous? 20 maintenant. On va tout prendre. Non, je pense qu'on a tout pris là. Le truc après, c'est pas très dur de... On sait où en récupérer facilement. Hein. Donc c'est à Lot Mobilhome. On rentre. Oh, I need to find food.
Bon, ce qui est bête, c'est qu'on a, on commence à avoir le mal de l'enfermement, là. Je pense qu'on va aller vadrouiller. Si le temps est bon, bah, ça a l'air de se calmer, là. Oui, ça a l'air de se calmer. Oui, parfait, parfait. Ouais, on va aller vadrouiller. On rentre à la maison, on dépose notre sac. Et on part à la vadrouille. Donc je pense qu'on va d'abord aller de l'autre côté de la map. Côté gauche de la map, quand je l'ouvre, hein, vous voyez un peu. Où c'est qu'on n'est pas allé. Enfin, où c'est que je suis allé hier, mais faisait trop de brouillard. Je pense qu'on va faire ça. Et... ouais, ça va nous permettre de devenir moins fous déjà. Et puis après... ouais, après on en... qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non, après on fait notre aventure, la forge. Bon, par contre, il va falloir se préparer un peu, hein, pour la forge. Parce que la forge est loin. Déjà, elle est très loin de... Hein. Donc il va nous falloir le sac de couchage au cas où, je pense. Parce que s'il fait froid, il faut qu'on se mette à l'abri. Il va nous falloir du charbon. Alors là, c'est la merde. Parce que il y a pas de grotte près d'ici, je crois. On en a deux, je sais. Donc on va les garder à... on va vraiment les garder. Et on va espérer qu'il y en ait assez sur le site, à côté de la forge, en fait. Parce que... ouais. Parce que sinon, bah, on est dans la merde. Sinon, on est dans la merde. Ça voudrait dire que... parce qu'il faut aller à 150 degrés, hein, je rappelle. Donc... 150 degrés sans charbon, c'est un peu, hein, c'est un peu galère. Hein. Je sais même pas si c'est possible. Je sais pas si ça a pas une limite de chaleur. Mais bon, le temps que vous arriviez à 150 degrés sans charbon, en fait, vous avez un feu qui dure 10 ans. Hein. Parce que imaginez, vous mettez un bout de bois. Un bout de bois, c'est 1 degré. Il en faut 150. 150... ça fait 15 minutes par bout de bois, je crois. Donc, vous comptez. Là, le feu... le feu, il va durer un moment. Hein. Là, on est d'accord. Hein. Donc, ça serait débile. Et surtout que ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ouais. Il y a ça en risque. Et après, je parle même pas du fait que il y a énormément de vie sauvage dans l'autre coin. Il y a des loups, il y a des ours. Des ours, parce que moi, de ce que je me rappelle, il y en avait au moins deux. Et vu que Mystery Lake, on n'en a toujours pas trouvé, je dirais même que celui-là de Mystery Lake, il a déménagé là-bas, donc il y en a sûrement trois. Franchement, pour être honnête. Hein. Donc, ouais. Donc ça va être dangereux. Ouais, non, ça va être très dangereux, hein, d'aller... je pense plus dangereux que la fois où on est allé à la première forge de l'autre côté de l'autoroute. Ouais, je dirais plus dangereux. Je pense qu'on va lire une heure. Ah, ça fait chier, on voit rien. Ok. Tac, tac, tac.
Voilà, on a à peu près 30, je crois. On a à peu près 30. Les bâtons, c'est là. Voilà, encore une heure et c'est bon. Oh non, t'es sérieux? Alors, regardons un peu 23. Ça, c'est vrai que ça pèse un peu lourd. Qu'est-ce qui pèse aussi lourd? On en a 9, ça sert un peu à rien d'en avoir 9. Le truc que j'ai envie de faire, c'est ça. Mettre là. 5 kilos. Hein. On a le mal de l'enfermement et il fait... Il fait pas beau. Il fait pas beau. Donc... ouais, travailler à l'intérieur, c'est... On n'avait pas plus avant, on n'avait pas 12. Non? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On craft? Qu'est-ce que j'ai à faire moi? Je sais plus. Des flèches. Faire des flèches. On peut faire des flux de flèches. On peut faire quoi d'autre? 53 minutes. On peut les encore lire. On va faire encore lire 7%. Ah putain, ça monte. Fais voir un peu déjà le temps. On a déjà le temps. Ah, c'est embêtant. Je voudrais aller là-haut. Je voudrais aller là-haut. Je dirais que là-haut, il va avoir un lit. Et ce qu'on pourrait faire, c'est dormir là-haut à la belle étoile. Enfin, dormir là-haut, ça compte pas comme si c'était... un endroit fermé, donc on devient pas fou. Vous voyez ce que je veux dire ? Niveau, yes. Pêche sur glace. Un peu. Délai de pêche moins 10%, 5% de risque de casser la ligne. Ok. On a 8%. C'est quoi ça? La gâchette de l'ouest, ça c'est pour tirer. On s'en fout un peu. On va dormir. On dort un peu? On dort une heure. Deux heures. J'aurais peut-être pas dû faire deux heures, j'aurais dû faire une heure. Quatre-vingt-six jours. Litres. C'est bien.
5 litres. Par contre, maintenant, je commence à être assez lourd. Hein. J'avoue que... ouais, j'avoue que c'est quand même lourd. Ça, en fait, franchement, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que tout ce qui est conserve, je les mange pas. Allez, en vadrouille. This pack is getting kind of heavy. C'est parti. 25. Le bien, c'est qu'on peut sprinter parce qu'elle n'est pas fatiguée et il va faire nuit. Enfin, pas faire nuit, il est midi, il est... Une heure de l'après. On peut utiliser l'arc. Il fait beau, on peut... Non. Là, si c'est un peu brouillard... Ah, quoique. Ah, c'est bon, le brouillard s'enlève. Vous voyez, on commence à distinguer le soleil. Ouais, là, on peut faire du feu grâce à la loupe. Faire du feu grâce à la loupe. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il y a quand même, bon, il y a quand même des tempêtes, hein, il y a beaucoup de tempêtes. Mais faut dire qu'il y a beaucoup de beau temps aussi. Donc on va faire le tour par là. Il y a quand même beaucoup de beau temps. Et dans un sens, moi ça me dérange pas trop. Surtout que la tempête en fait fait tomber énormément de bouts de bois. Et des bâtons on en trouve mais à foison. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Je veux pas dire mais... c'est quand même vraiment bien. Alors je vais pas dessiner maintenant. Ah putain c'est là, je crois que c'était là. Je vais pas dessiner maintenant. Parce que sinon, on va quand même perdre trop de vie. Alors, j'ai peur. Je sais pas s'il y a un... Il y a une corde à prendre. Je suis pas sûr. Je dirais non. Mais je suis pas sûr. Je dirais que non. Ça, c'est pas loin. Hein. Pas très loin. Je pense que quand on épuisera notre stock de nourriture, on partira faire les têtes de flèches. Alors attendez, comment, par où? Comment fait-on? Ah, c'est le chemin trouvé. C'est ici. Yes. En plus, le chemin, il est vraiment dans la... Ah, quoique non, en fait, j'ai coupé. Non, le chemin, il commence plus bas, mais j'ai coupé. Bon, ça, c'est tranquille. Là-bas aussi, il faudra y aller. Ouais, faudrait y aller. Il faudrait bien des jumelles. Oh là là, je kifferais des jumelles. Si vous êtes un modeur, s'il vous plaît, faites des jumelles pour ce jeu. Ce serait tellement bien. Juste une paire de jumelles. Juste ça. Je serais la personne la plus heureuse. Tour de garde, je regarde s'il n'y a pas des... Non.
va se réchauffer là-haut. Yes, ça c'est chaud. Là, on va fermer la porte pour faire style. Oh, il y a un marteau. Oh, cool. Oh, yes. On a bien fait de venir. On a très bien fait de venir. Ah bah quand on veut... quand on voudra... quand on sera fou et qu'on sait pas où dormir, ah bah on dort là. Hein. On dort complètement ici. Hein. C'est le top. Hein. Donc 4%, normalement ça devrait pas monter. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, on a un marteau à 100%, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a le livre. C'est pour le feu. On est à combien du feu, nous? Ouais, on vient juste d'avoir le niveau 3. Bon, ça va pas trop trop nous aider. On a eu des analgésiques en plus. Non, des antibiotiques en plus. Ça, c'est cool. Et la boîte. La boîte, je crois qu'il faut du métal pour réparer la scie. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour passer le temps, hein, tout simplement. Ouais, il nous faudrait du métal. Et là, on n'a pas de métal. Non. Bon, ben, lisons. Alors, on va bien voir. Normalement, oui. Alors, 6%. Ah! Bah merde! J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ah, bah j'étais... Ah, là, j'aurais pu donner ma... Ma main à couper, hein. Que ça, ça marchait. Ah, bah là, tu m'envoies un peu dégoûté, quand même. Hein. Là, j'avoue, tu m'envoies dégoûté. Bon, c'est pas grave. En tout cas... On est plus court de là que de là. Ah bah merde. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Parce qu'en plus il fait mauvais temps. Ah ouais, là il y a le rail. Il y a le rail, donc on est en train de regarder comme ça, là. Le déraillement, il est là. Ça, c'est... Le déraillement, il est là. Ouais.